Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La fin de l'année approche. Bon, c'est pas la période que je préfère, hein, mais voilà. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo. Vous savez que j'ai mis le challenge du vocal des fils de lumière en ligne, enfin en... J'ai organisé, voilà, le challenge. Oh, fatiguée ce matin. moi, j'ai préparé le mien. Voilà. Alors, ce que je demandais, c'est que l'on prépare son bocal, qu'on le décore un peu comme on voulait. Et ce bocal, on va le garder toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre 2023. Et dedans, on va y mettre tous nos petits déchets de fil à broder. Alors, j'ai certaines personnes qui m'ont demandé si elles pouvaient aussi faire pour la laine ou la couture. Si vous voulez faire trois bocaux, vous en faites trois, il n'y a pas de problème. Bon, peut-être que pour la laine, il en faudra un plus grand, parce que les déchets sont plus grands. Mais bon, si vous avez envie d'en faire un pour le tricot, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de problème. Alors, ce que j'avais demandé, c'est que l'on décore son bocal, voilà, en le laissant transparent, pour que l'on puisse voir chaque mois la hauteur des fils qu'il va y avoir dedans et toutes les couleurs qui vont se mélanger également. Alors, moi, j'ai fait le mien. Je vais vous montrer juste après en vidéo. Vous aurez une vidéo en musique où vous voyez que je prépare où je fais la décoration de mon bocal. Voilà. Mais je vous présente déjà mon bocal. Le voici. Alors, je vous montre sur le dessus. Alors, vous retrouvez les petits pompons que l'on a avec nos broderies. Vous voyez, ici. Là, des petites bobines en bois. Là, j'ai mis du fil doré. Là, j'ai fait une bobine de dentelle. Là, j'ai fait une bobine de fil blanc, tout ordinaire. Voilà. Je lui ai mis des petites fleurs, des petits papillons en bois, des petits nœuds. Voilà, je vous montre de plus près. Et j'ai décoré le tour du bocal. Bon, il y a encore des petits fils de... Mais ça, c'est avec le pistolet à colle. Hein. C'est pas grave. J'ai décoré avec une petite dentelle et des petites fleurs en dentelle. Voilà, tout autour. Alors, dessus, avant, j'avais collé un tissu en lin. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai ce tissu. Et donc, je l'ai coupé. Alors, vous voyez, ça fait en forme de fleur. Je l'ai découpé avec ma Big Shot et un dies. Voilà. Donc, ça, c'est le mien. Voilà. Il va me suivre toute l'année pour que j'y mette mes déchets donc de fil à broder. Donc, bon, c'est un truc qui sert à rien, mais c'est un truc rigolo que l'on va partager tous ensemble. Et puis, voir l'évolution suivant les personnes, bah, s'il y a beaucoup de fils ou pas beaucoup de fils. Donc, c'est là qu'on verra si on brode beaucoup ou pas beaucoup. Voilà. Et tous les mois, on fera une photo de notre bocal. Alors, on pourra le mettre en situation, le mettre avec un décor autour. Enfin, là, on fera la photo comme on veut. Chaque mois, on verra du coup qu'est-ce qu'il y a comme fil dedans et les couleurs. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vais vous laisser visionner la suite de cette vidéo. Si vous voulez participer, alors il est encore temps, hein, mais on commence à partir du 1er janvier. Il est encore temps que vous fassiez votre bocal. Et par la même occasion, venez vous inscrire sur mon groupe de broderie, où il y aura le suivi pour ce bocal. Il y a le suivi pour le sale du Nouvel An, qui commence le 1er janvier également. Et il y aura aussi le suivi du cal, tricot ou crochet. On a le choix pour faire une couverture météo. Voilà, tout ça commence le 1er janvier. La couverture, je vous remets les liens en barre d'infos et dans le i pour le cal, pour le sale et le challenge du bocal. Voilà.
Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je souhaite un bon visionnage pour la suite. À bientôt, bisous bisous! Thank you.
Thank you.